Et de salut à toutes, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc toujours sur la suite hein, du Survival Map. Hein. Donc alors oui, vous pouvez voir, j'ai un nouveau skin et j'ai un nouveau pseudo. Donc j'ai eu vraiment mon premium, donc maintenant je m'appelle Mizuk79, mais bon, ça vous change rien. Et j'ai un joli skin et je tiens à remercier Panda Girl, hein, ou Swanny si tu te reconnais, pour le skin. Bref, alors dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que je vous propose, bon, j'ai des torches, ce qui va être mieux pour vous parce que j'ai regardé la vidéo. Et excusez-moi pour le montage de la dernière fois, c'est que franchement c'était vraiment nul, mais je vais améliorer tout ça. Bref, alors ce que je vous propose c'est de miner, je sais c'est chiant de miner, mais on va miner. C'est la vie. Alors, donc, on va continuer, on va miner jusque là. Bon, alors, bref, le 2 janvier, je vais tourner toute la journée Epic Fail, rien que pour vous. Donc avec, je ferai campagne avec... équipe, je veux dire, Panda Girl, du coup, je vous encouragerai vivement à voir parce que je sens qu'on va se taper des délires de malade. Mais bon, bref, coule du charbon, ça c'est bien, ça pour les torches. On a la couche combien là? Oh bah 55, on va descendre un peu. Désolé. Allez, du fer. Ça serait plus pratique pour faire une pioche en fer pour miner. Ou une petite grotte aussi. Ah bon, je vais remonter. Alors ça va, j'ai du bois. Hop là. Parce que j'ai pas mon établi vu que je l'ai oublié. Et il faut que je mange. Voilà. Alors, où c'est que je vais mettre l'établi? Je vais le mettre là. Ouais. Les bâtons. Block bubble. Et hop là, une pioche. Voilà, on va récupérer l'établi quand même parce que c'est du gâchis sinon. J'ai plus assez de bois après pour m'en faire un. Voilà, bon, on va continuer. Hein. Jusque là, on trouve quelque chose. Et donc, oui, aussi, mon prochain objectif, je pense, c'est d'être de trouver un village. Vu qu'apparemment, il y en a. Ah, de la terre, il y aura peut-être une mine derrière ça. Ça serait chouette. Allez, s'il te plaît. Donne-moi de la mine. Une mine. Dommage que j'ai pas de pelle. Oh merde. J'ai cassé le bloc, je suis bête. Je sais pas vous, mais je trouve que ça fait beaucoup de terre, non? Couche combien là? 37. Bon, je trouve ça bizarre qu'on ait toujours pas trouvé de fer, mais bon. On va bien en trouver. Hein. Il va falloir que je remonte un moment parce que j'ai plus à manger, à part des œufs d'araignée. Mais ça, c'est pas très cool. Donc, de préférence, ne pas sortir la nuit. C'est ce qui serait cool. Et ne pas mourir aussi, ça serait bien. Ah bah ouais, mettre du lapis, mais je peux pas le creuser. Oh punaise. Il me met du lapis, mais il veut pas me mettre du fer, quoi. Et de l'émeraude? Mais ils sont sérieux, là, par contre? Il n'y a pas une miette de fer, mais il y a de l'émeraude. Bah d'accord. Non, le fer, c'est pas très rare. Hein. Du charbon, j'ai la couche combien? 25. Donc ça va, du charbon, j'ai ce qu'il faut. Du fer. Et je tiens à vous remercier aussi parce que vous êtes 32 déjà sur ma chaîne, c'est super génial. Merci à tous de vous être abonnés, hein, ça me fait super plaisir. 32, c'est trop bien.
Et oui, je suis un peu malade, au cas où vous me demandez. Bon, bah 13, bon, on va remonter, on va aller chercher de la bouffe, parce que vu que là, je trouve rien. Bon, alors, il y a de l'émeraude, il y a du lapis, mais il n'y a pas de fer. J'ai envie de dire vive la logique, mais bon. Alors, on va remonter. Parce que sinon, j'ai pas envie de mourir de faim. Ce serait vraiment bête, quand même. Mourir de faim. Bah d'accord, j'étais montée comme ça, moi. Bon ben, on va faire comme ça. Hein. Là, mais pour, comme ça vous verrez bien. Parce que sinon, si vous voyez rien, je sais que c'est pas très agréable. Bon, allez, on va faire là. Vite fait. Hop là. Du coup, on retournera pas là, hein, vu qu'on a vu qu'il y avait rien. À part de l'émeraude, mais bon, si on n'a pas de fer, ça sert à rien. Et j'espère qu'il fait jour, surtout, parce que sinon, je vais me faire tuer par les mobs, j'en suis sûre. Ah, j'avais un établi ici. Ah oui, c'est vrai, je m'étais enterrée dans un trou parce qu'il y avait trop de mobs. Un établi, hein. J'en ai déjà un. Et il fait jour, oui. Donc alors, moi, ce que je propose... Bon. Ah oui, le palmier, parce que j'étais contente d'en voir un. D'accord. un palmier, oui. Alors, je ne peux pas sprinter, comment je fais? Je lag un peu, du coup je vais baisser mes graphismes parce que je pense que c'est ça qui me fait laguer, vu que je suis en solo. Et bah oui, c'est normal. Hop là. Ah voilà, on va mieux, on est plus rapide. Ça ne fait que du bien. Bon, si je meurs, je suis dans la merde, hein, on peut le dire. Parce que je devrais tout recommencer. Et je sens que ça va s'arriver. Je sais pas vous, mais bon. Déjà, si je perds un cœur, ça va pas le faire. Il n'y a pas une trace de mob ici, c'est incroyable. Il n'y a pas un cochon, il n'y a pas... Oh là là, mais c'est sérieux, là. Ah, bah, je suis en train de mourir. Eh ben, je dis donc, vous pouvez me dire GG dans les commentaires si vous en avez envie. Parce que je sens que je vais mourir. On va mettre une torche là où je vais mourir, parce que je sens que... Bon alors, je vais monter dans les montagnes, comme ça, si je repère une montagne, je pourrais peut-être récupérer mon stuff, ce qui serait bien, mais pourquoi il n'y a pas de mob? Je comprends pas, là. Et ça me saoule. Apparaissez, petit cochon, petite poule, je sais pas, des vaches, n'importe quoi, même un zombie. Vous allez me dire, t'aurais dû monter avant. C'est vrai, j'aurais dû monter avant. Mais bon. J'y ai pas pensé, voilà, on n'est pas tous parfaits. Ouais, bah, je suis loin du spawn, en fait, alors on va faire... Non, ce n'est pas de la triche, je sais même pas si je peux, voilà. Et vous imaginez, là, je trouve une vache. Et attention... Ah bah oui, bah il me reste un demi-cœur. Bah alors là, il va falloir que je fasse gaffe. Hein. Excusez-moi. Vu que je suis pas un hardcore. Bon, par contre, là, il va falloir faire très très attention. Il me reste un demi-cœur, les gens. Si je meurs, je crie, je pète un plomb, je rage, tout ce que vous voulez. Donc je pense qu'on peut s'en sortir hein, avec un demi-cœur. Je pense que c'est tout à fait faisable, mais bon. Quand on n'est pas très doué comme moi, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, on va le faire comme on peut. Et il fait nuit en plus. Un zombie, bon, on va aller le tuer. Bon, il va falloir faire très 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 attention, mais le plus attention possible pour pas qu'il nous touche. Et oui, oh oh, un arc, un archer, un squelette, tout ce que vous voulez.
m'en fous, moi je descends dans mon trou. Hop là. Avec une petite torche. C'est la première fois que je fais un survival aussi bizarre. Bon. Bon, il n'y a pas une idée de fer. Bon, non, après un épisode de 20 minutes, voilà, j'ai déjà trouvé du fer, mais je trouve ça vraiment louche. Je sais pas ce que c'est que cette map, mais bon. Quand on cherche, on trouve, hein, comme on dit. Tel est le dicton. Vais-je y arriver? Est-ce que Miss Liu va y arriver? Va-t-elle trouver du fer à part du charbon, de l'émeraude, du lapis? Bon, le charbon, franchement, là, je vous l'avoue, je n'ai rien à faire. Moi, je veux du fer. Comme ça, je me fais des outils en fer. Oh, merde. Merde, pas. On va faire ça comme ça. J'ai l'impression de ne pas avancer et ça, je trouve que ça peut être un peu ennuyant pour vous de ne pas trouver de fer. Il n'y a pas d'action. J'espère qu'il va en avoir à part le truc avec les mobs. Et ma vie ne se régénère même pas. Oh, du fer! Oui! Oh putain, c'est bon, j'ai enfin trouvé du fer. Les gens, vous pouvez me dire, j'ai trouvé du fer. Vous pouvez me dire, ouais, mais c'est que du fer. Mais vous avez vu, pendant tout un épisode, j'ai cherché du fer, j'en ai pas trouvé une seule miette. Et je suis bête, j'ai oublié de reprendre mon établi, moi. Oh, putain. Bon. Vous voyez rien, là, mais bon, c'est pas la mort. Vous allez bientôt. Je vais faire chauffer le fer, je vais me faire une pioche en fer, une épée en fer et tout ça. Tout ce que je peux faire en fer, je vais me faire une armure et tout ça. J'ai des potes en cuir, il me semble. Ah, lag. Ouais, bon, c'est un gros avancement pour moi. Franchement, je suis super contente là. Je pense que dans le prochain épisode, on sera stuffé fer. Enfin, j'espère. Bon, cette map, elle me paraît très hardcore. En plus, vous avez vu, les herbes, ils sont géants. Ils sont délirants. Peut-être que je pourrais me faire une maison dans un de ces arbres. Ça serait très sympa, une petite cabane. Je verrai comment je vais procéder. Bon, là, on va se faire un petit abri. Hein, voilà, hop là, un petit four. Hop là. On va prendre le charbon, le fer. Hop là. Et là, vous imaginez, un mineshaft. Oh, ça serait chouette. Ce serait même génial. Et aussi, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de mon nouveau skin, hein, si vous l'aimez bien ou pas. Oui, et oui, j'ai une casquette. J'adore, je trouve ça trop joli. Le truc, c'est que il me faut à manger. Là, ça devient urgent. Et je vais devoir remonter. Alors là, trop forte, Misley, vous allez me dire. Trop forte, tu as oublié de prendre du bois. Trop forte, GG à toi. Bon, on s'en fout. Hop là. Bon, c'est pas grave, ça, je pourrais le revoir. Oui, c'est chiant. Tu descends, tu remontes, tu descends. Tu n'es pas doué, je sais. Je ne suis pas doué et je le sais. Bon, ça va, c'est pas hyper long là. Allez, monte. Et là, vous imaginez, et là, c'est le drame. Un squelette me tire dessus. Et je meurs. Imaginez juste le truc de fou. Comment je ragerai? Ce sera un truc de dingue. Il fait nuit. Oh ah oui, non, mais ne commente sur le bruit que je viens de faire. Oh, mais c'est génial! Antonella, concentration. Maximum. Parce que j'ai vu un squelette. Je me croirais dans... Non! Mais c'est sérieux, là, franchement. Mais c'est sérieux. Oh, mais non, mais c'est ce putain, fais chier.
fait chier. Bon, si vous vous souvenez des coordonnées, mettez-les-moi en commentaire. Putain, ça me fait chier, putain de merde. Bon, bah, c'est pas grave. Oh, en plus, il fait nuit. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, non. Oh, putain, mais c'est de l'arcord. Arcord, je sais pas comment ça se dit. Ben non, ça peut pas, mais c'est difficile. Ah oui, vous avez vu tous les mobs? Oh putain, on dirait qu'il y a des spawners, quoi. Bon, si je retrouve un de mes trous, ça me ferait plaisir. Ah, il y a des cochons, je m'en fous, je vis là. Bon, on va recommencer. Et oui, vous avez eu l'occasion de me voir en train de rager. Ah oui, ça veut dire qu'il va falloir que je retrouve du charbon. Oh, mais vous avez vu, je suis trop forte, j'ai réussi à prendre du bois. Du bois. Hop, allez, on va, cette fois, on va bien faire, hein. Bon, le premier. Hein. J'étais pas très douée, hein, faut l'avouer. Et oui, dès qu'il fera jour, j'irai chercher à manger à fond. J'irai à fond cette fois. J'ai pas envie de remourir, parce que voilà quoi, c'est pour vous, ça doit être un peu chiant de toujours recommencer. Bon, c'est la première fois, droit à une erreur. Cette fois, je dois plus mourir. Ou du moins, plus beaucoup. Et mon objectif, c'est d'avoir un mouton pour me faire un lit. Ça serait chouette. Il n'y a pas de slash 7 hommes. Ben non. Allez, par contre, là, il me faut du charbon. Parce que, attendez, je vais voir si... Je sais pas si c'est ça, la lumière. Parce que je viens juste de mettre mon Minecraft en anglais, je vous avoue, et je comprends pas tout. Alors, de la terre, de la terre, de la terre. Ah, merde, mon établi. Excusez-moi si je tousse beaucoup, ça doit pas être agréable à l'oreille, mais bon. Je suis un peu malade. Mais bon, c'est pas grave. Hop là. Allez, tu descends, mes livres, et cette fois tu trouves du charbon et du fer aussi. Et tu restes vivante. Je suis à la couche combien là? 90, d'accord. Bon, ça va être... j'espère que ça va pas tarder à trouver du charbon, parce que le charbon c'est important, surtout pour vous, pour que vous voyez bien. Mais là, franchement, je peux rien faire. Ah, du charbon. C'est bon ça. Oui, c'est bon ça. Corde à sauter. Alors, bah, j'ai deux bâtons. Hein. Hop là. 8 torches. Tranquille. La baguette mec. Génial. Allez, c'est prochaine étape, le fer. Oui, c'est vrai, prochaine étape peut-être plutôt. Le tricot cable. Hop là, la pioche en cable. C'est sûr que c'est un peu, ça serait un petit peu mieux. Vous voyez, j'ai un petit peu plus vite qu'avant, c'est logique. Mais cet épisode comparé à l'autre va durer 20 minutes. Charbon. D'ailleurs, oui, Mystique, mais t'as vu comment tu mines, hein? Tu peux tomber sur un lac de lave, mais non, je veux pas tomber sur un lac de lave. No inquiétude. Ça m'étonnerait que je tombe sur un lac de lave.
du charbon. Ah bon, alors là, par contre, quand il y a du gravier, je préfère miner à ma façon parce qu'on ne sait jamais. Tel le dicton. Ah bon, bah en fait, hein, y a rien dessous. Quand on va s'approcher des couches genre 20, bah là, je vais commencer à miner comme ça. Parce que je me dis, on sait jamais sur quoi on peut tomber à partir de là. La terre. Sérieux là, c'est sérieux, y a rien, y a rien, y a rien. Ça va repartir comme l'autre épisode. On est à la couche chaise, il n'y a rien. Ça m'étonnerait que je trouve du fer à la couche chaise. Bon, bah, moi, ce que je propose, c'est qu'on monte un peu vers la couche 20 et qu'on creuse tout droit, tranquille. Mais de toute façon, ça va être la fin de ce premier épisode. Hein. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Et vous êtes 20, sérieux. Vous êtes 20. Vous êtes 30, 30, une trentaine, je sais plus combien. Sérieux, je vous adore. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, de vous abonner, mettre un petit commentaire. Et dire comment aussi, comment, si vous aimez bien la série. Et voilà. Allez, bisous à tout le monde. Kiss!